on va se retrouver dans Spiral Knight, un jeu free-to-play, comme l'émission que je suis en train de tourner maintenant. Donc, un jeu disponible sur PC et Mac, que je joue sur PC, je joue sur Mac. Donc, il était en train de patcher pendant que je vous dis ça. Donc, pendant ce petit chargement, je vais... c'est Sega, je crois, qu'il a créé, tout simplement, qu'il a édité. Donc, édité par Sega. Disponible sur Steam. Les achievements. Je vais regarder, puisque j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai pas bien regardé tout. Donc, premier pas. Donc, c'est un petit MMORPG. Oui, vous voyez qu'il y en a plein. Hein. Ce jeu est quand même bien rempli. C'est un MMORPG, je vais jouer qu'une heure et demie. Bibliothèque. Donc, Spiral Knight. Donc, je vais vous épargner ce temps de chargement. Je sais que ça vous saoule. Donc, allez, donc on se retrouve in-game. Donc, le nouveau mode. Donc, j'en ai fait un. Je vais le reprendre parce que, quand même, ça prend du temps de commencer une partie, je veux dire, tout ça. Je referai une si jamais. Ne vous inquiétez pas. Donc, nous sommes des robots qui font quelques missions militaires avec certaines armes. Donc, celle-là, je les craque. On va faire la forteresse écarlate. Apparemment, je vais pouvoir jouer avec d'autres. Donc, voilà. Donc, récemment, il y a eu une mise à jour. Et donc, les chargements sont pas trop longs. Je les laisse. Voilà. Donc, récemment, il y a une mise à jour. Donc, vous voyez, hein, ça ressemble à ça. Un bouclier, une épée, enfin plusieurs épées. Là, je vais vous montrer directement. Donc là, j'ai. Ça, c'est toutes les épées pour l'instant. Ça, c'est tous les gueules. Ça, c'est les casques et tout. Hop. Et ça, c'est tous les matériaux. J'ai un minerai aussi, mais je sais pas à quoi il me sert encore. J'ai pas encore bien regardé. Donc, à mon avis, il faut descendre. C'est parti. Donc, MMORPG. En fait, c'est un peu comme du Zelda vu à la, enfin, vu de dessus, en ligne. Un peu. C'est un peu ça, hein, mais ça ressemble pas vraiment à Zelda, mais je veux dire le style de combat, bouclier, épée, comme dans pas mal de MMORPG d'ailleurs. Ça. Donc je mettrai des emplacements d'armes. Allez, c'est parti. Donc... Oui, ça je peux pas le péter normalement. Pas tout de suite. À mon avis, on va devoir d'abord se combattre. Ok, qu'est-ce que c'est? Oula. Ils font pas de bruit ceux-là? Ça doit être une particularité. Ok, donc il y a des boules de chaleur que vous récupérez. Je vais quand même. Vous voyez, c'est assez basique. Il est bien en ce moment. Donc en bas, vous avez la barre de vie. Hop. Donc il coûte certains trucs. Raté. Ah, si, je t'ai eu. Donc, et en fait, au fur et à mesure que vous tapez, hop, tiens, tac, donc, il est marqué moins 18, c'est l'attaque que je porte à chaque fois. Bon, là, j'ai fait quand même une assez belle attaque. Et vous verrez qu'il y a des... ces petits trucs. Donc il y a des potions de soin qui seront rouges. Des cœurs comme ceci. C'est pour
ça que j'ai dit que ça ressemble un peu à Zelda, oui, c'est une barre de vie. Pour attraper des pions. Donc, cette clé, elle nous servira pour... pour ouvrir la porte qui était là-bas. Enfin, je sais pas si je l'ai montré, mais... Aïe. Oh. Ah aussi, donc, oui, vous avez une barre d'énergie en bas. Et vous utilisez... Hop, donc pour faire des attaques un peu plus puissantes. Voir le double. Mais par contre, je sais pas comment elle se vide. Donc. La meilleure fois, je vais y toucher comme ça. Je vais utiliser un peu cet arme pour, augmenter ses capacités. Parce que je l'ai pas fait. Alors que là, je l'ai déjà mis bien. Elle est pas très puissante, mais quand elle se sera améliorée, je pense qu'elle tapera du 10. Ah mince, c'est mort. Donc, alors attendez, j'ai deux clés. Ah, là-bas, il y a déjà celle-là, elle va me servir. Et je vais prendre deux pour aller déverrouiller l'autre porte. Comme ça, moi déjà, j'aurai. J'aurais déjà les... comment ça s'appelle des chemins... des accès à tout, je voulais dire. Ah, à mon avis, c'était juste des coffres bonus. Des ennuis. Ah, oui, c'est les jeux. Ça, c'est les produits mobs de tout jeu. Thank you.
soit l'un soit l'autre. Okay. Je vais prendre un bleu parce que. Tu vois, j'avais déjà vu un violet. J'aimerais bien voir ce qu'il fait le bleu. Oh, c'est aussi. Par contre, il n'y a pas de saut. Au début, quand on commence le jeu, on n'a pas très bien en main. Donc là, vous voyez, il y a un. Il y a un truc et. Donc il faut mettre de l'énergie dedans. Et donc vous voyez, on va ajouter l'énergie. En bas à gauche, à droite, elle a diminué de 90 à 87. Hop. Donc ça c'est une des trucs. Mais... Encore une chose. Non. Là, j'ai des trucs de gel, de santé, de remèdes. Je vais pas les utiliser tout de suite. Non, mais en fait, là, je me suis fait arnaquer parce que c'est juste des coffres pour se remettre à soin. Donc, je sais pas où faut que j'aille en fait, vraiment. Ah, mais faut que j'aille là, je peux aller voir. Moi, je suis con. Ok, ça a l'air d'être là. Casser ça. Y'a rien là? Si, une porte avec un canon. D'accord. Cher.
clavier, je crois que je sais pas. Là, je crois que j'ai fini normalement. Et là, il y a tout des prix et j'ai gagné ça. Ok, bon. Donc, j'ai gagné des niveaux. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je descends. Ok, je reviens. Bougez pas. Je fais encore 5 minutes de vidéo et après j'arrête parce que voilà, je n'ai pas à vous dire quelque chose de plus. Donc là je n'ai rien gagné. Ok, donc je pense que la prochaine friend zone, j'aurai la hache là, la chat, une 4. Et donc vous voyez, avant sur deux, je tape du 6. Là, je tape. Voilà. Ça c'est géré ça. Ok. Il y a une façon de les avoir ces ciseaux. Je vais utiliser un remède. Hein. Parce que je ne vais pas tenter le risque. Le temps de passer. Voilà, j'ai fini, pile poil. Donc, je vais pouvoir clore cette vidéo.
je vous montre quand même la fin. Si ça ne bug pas. J'ai dit si ça ne bug pas. La corruption, ça marche pas avec toi? Ah si, c'est bon. Donc dans ce monde de robots, il y a quand même, comme vous le voyez ici, des soins qui vivent avec les étrangers. Donc les étrangers s'appellent comme ça sur la ville que vous êtes au début. Allez. Quelques traductions qui ne sont pas super, mais c'est quand même bien. Voilà. Allez, on va se quitter là-dessus. Hop. Donc c'était un plaisir de filmer pour Free to Play. À plus.